Bonjour à tous. Si vous recherchez une idée de cadeau ou un objet déco facile et rapide à faire, la collection des boîtes Alphabet est faite pour vous. Toutes les boîtes font 15 cm de haut, elles tiennent debout, vous pouvez les assembler entre elles, vous pouvez faire un prénom entier ou prendre uniquement une initiale, ou pourquoi pas écrire Bonne fête, Joyeux Noël. Toutes les boîtes s'ouvre, vous pouvez glisser des petites friandises. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le B. Il tient debout, il s'ouvre, il a une grande contenance. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Il nous faudra du papier légèrement cartonné. J'ai pris du blanc, mais vous pouvez prendre du papier déco. Il faudra deux carrés de 15 sur 15. Une bande de 29 cm sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous marquez un pli à 15, à 28. Vous biaisez les encoches. Vous retirez le petit carré ici. Vous retirez le petit carré là. Vous biaisez cette encoche. Ici, au niveau de la partie qui fait 15 cm, vous faites une encoche. À l'aide d'une perforatrice, vous mettez votre perforatrice à l'envers, vous mettez la moitié dans la perforatrice et vous punchez. Il vous faudra une bande de 20 cm sur 7. Vous marquez un pli à gauche et à droite à 1 cm sur toute la longueur. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 2,5, à 9, à 10,5, à 11, à 12,5 et à 19. Vous biaisez toutes vos intersections, vous coupez les petits carrés comme ceci. Il vous faudra une bande de 23 cm sur 7. Vous faites un pli à droite à 1 cm sur toute la longueur et un pli à gauche à 1 cm sur toute la longueur. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 1, à 4, à 7,5, à 10,5, à 13,5, à 16,5 et à 20. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections et vous coupez le petit carré ici et là. Vous prenez une bande de 12 cm sur 7. Vous marquez un pli à droite à 1 cm sur toute la longueur et un pli à gauche à 1 cm sur toute la longueur. Vous faites un pli à 10 cm. Vous biaisez ici, vous allez tout droit après. Vous biaisez, vous allez tout droit. Ces 2 cm vont être notre languette. Vous repliez les petites languettes comme ceci. Vous prenez une perforatrice d'angle et vous arrondissez. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez prendre des ciseaux. La dernière bande devra faire 14 cm sur 7. Vous faites un pli à 1 cm sur toute la longueur à droite, 1 cm sur toute la longueur à gauche. Vous retournez d'un quart de tour. Vous marquez un pli à 2,5, à 6, à 7,5, à 8, à 9,5 et à 13. Maintenant, si vous voulez mettre du papier déco sur vos bandes, il faudra découper des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra une bande de 14,6, une bande de 9,6, deux bandes de 6,1, 3 morceaux de 3,1. 5 morceaux de 2,6, 2 morceaux de 2,1, 2 morceaux de 4,6. On va tracer notre B. Donc on aligne bien notre règle en haut. On va faire une marque à 5, à 9,5, à 10, à 12, à 12,5. On s'aligne en bas. On va faire une marque à 5, à 9,5, à 10, à 12 et à 12,5. Vous placez votre règle sur les deux points à 5 cm en haut, 5 cm en bas et vous tracez déjà la droite. Vous alignez le 0 ici, le 15 là et vous allez faire un trait à 2,5. À 5,
à 7,5, à 10, à 12,5. De l'autre côté, vous faites pareil, vous alignez bien le 0 ici et le 15 là, et vous faites un trait à 2,5, à 5, à 7,5, à 9,5, 10, 12,5, 13. Ici, vous avez un point qui est à 13 cm, celui-ci est aussi à 13 cm. Vous allez les relier, ceci. Vous alignez maintenant votre règle sur le point de 12,5 cm ici, 12,5 cm là. Vous vous positionnez bien, il faut que le 0 soit ici. Vous tracez un trait jusqu'à 6,5. Vous alignez la règle sur les points à 10 cm. 10 cm ici, 10 cm là. Vous êtes bien à 0, vous faites un trait jusqu'à 6,5 cm. Vous alignez votre règle sur les points de 12,5 en haut, 12,5 en bas. Vous placez bien le 0 ici et vous allez venir faire un tout petit trait entre 11 et 11,5, comme ceci. Et vous allez relier les points ici et ici. Et même chose là. Vous alignez votre règle sur les points de 7,5. Vous avez 0 ici, 5 là. Et vous allez tirer un trait jusqu'à 10. Marquez une encoche à 10. Vous alignez sur les points de 7,5 ici, 7,5 là. Vous êtes à 0 ici, 5 là. Vous allez marquer un trait du 5 jusqu'à 13. On s'arrête à 13. Et vous faites une petite marque à 10. Vous allez rejoindre ce point à 13 ici, à celui-ci, à 9,5. Le bas de notre B est formé. On va s'attaquer au haut. Vous allez aligner votre règle sur les points de 12 cm en haut, 12 cm en bas. Vous mettez bien le 0 ici. Vous allez faire un trait entre 2 cm et 5,5. Vous allez rejoindre l'extrémité de ce trait au point de 10 qu'on avait fait tout à l'heure, ici. Et vous allez rejoindre l'extrémité de votre trait ici au point de 10 là. Vous positionnez votre règle sur les points de 2,5 cm. Vous mettez 0 ici et vous allez tirer un trait à 3,5 cm. Et vous arrêtez. Vous positionnez votre règle sur les points 5 cm du haut. Et vous allez faire un trait à jusqu'à 3,5. Vous alignez votre règle sur les points de 9,5. Vous mettez bien le 0 au bord. Et vous allez venir faire un tout petit trait entre 3,5 et 4. Maintenant, vous allez relier ce point-ci à celui-là et ce point-là à celui-ci. Voilà, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on va découper les petits triangles, cette zone-ci et tout ça. Votre B est coupé. On vient l'appliquer sur le deuxième carré. On l'aligne bien, en haut, bien en bas. Et on va juste tracer le contour. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que tout à l'heure. Et vous le découpez. Pour faire la déco du B, vous prenez simplement votre gabarit, vous le posez sur votre papier et vous tracez les contours. Quand il est tracé, vous allez retirer 2 ou 3 mm sur tout le tour et au niveau des fenêtres. On obtient ceci. Maintenant, on va tout simplement prendre le B et venir le retourner complètement, tracer notre contour. Et là, vous pouvez le découper directement. Il n'y a pas besoin de retirer 2 ou 3 mm. N'hésitez pas à poster sur ma page Facebook qui est en barre d'informations les photos des réalisations que vous faites avec mes tutos. Ça me fera plaisir. Et ça peut inspirer des copines. Notre B est tracé, on le découpe, on fait tous nos collages et on marque tous nos plis et on se retrouve.
Désolée, la vidéo n'a pas marché, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris le B comme ceci, je l'ai tourné, j'ai pris la bande avec une encoche, j'ai mis de la colle sur les languettes et je suis venue l'appliquer à ras de ma lettre. On va pouvoir reprendre normalement. On va prendre cette languette. Venir la coller comme ceci, comme cela. Quand tout sera collé, vous viendrez mettre de la colle sur cette languette et la rabattre à l'intérieur. Vous prenez cette languette-ci, vous la positionnez, vous la collez. Et quand tout est collé, vous mettez de la colle sur la petite languette et vous rabattez. Vous prenez cette bande comme ceci. Vous allez venir mettre de la colle sur les quatre languettes ici et venir coller comme ceci. Vous occupez pas de la petite languette, on la collera après. Quand c'est sec, vous collez les trois dernières languettes. Quand c'est collé, on vient remettre de la colle sur cette languette ici et on vient joindre les deux parties. Il nous reste à coller cette pièce-ci. Mais avant, on va biaiser fortement ici. Et là. Cela facilitera l'ouverture et la fermeture de notre rabat. Vous allez mettre de la colle ici et venir coller votre rabat. Vous allez venir mettre de la colle tout autour, sur ces parties-là, sur celle-ci, mais pas sur la languette de rabat. Vous la laissez ouverte. Une fois que vous avez mis de la colle tout autour, vous venez appliquer votre B. Vous fixez d'abord les angles en haut, celui du bas et vous ajustez après les petites zones. Notre B est terminé, il tient debout, il s'ouvre. J'espère que vous avez aimé le faire. Merci de liker la vidéo, cela me fait plaisir et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap.